Vous êtes les bienvenus au développement des dirigeants de mardi. Je prie que l'enseignement de ce jour, non seulement qu'il vous illumine, mais qu'il vous fortifie dans le ministère de la parole que le Seigneur nous a donné. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ton peuple, tes serviteurs, nos ministres. Merci Seigneur pour la grande tâche que tu as accordée à chacun à faire. Nous prions que nous n'échouons pas dans cette grande œuvre au nom de Jésus-Christ. Nous demandons Seigneur que tu ouvres les pages de l'Écriture à chacun de nous. Et que non seulement que nous soyons des apprenants, mais les pratiquants de la parole au nom de Jésus-Christ. Toute la grâce dont on a besoin, la lumière dont on a besoin, la vie, le courage dont on a besoin, la puissance dont on a besoin, accorde à chacun de nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comme vous le savez, nous sommes maintenant dans le livre de l'Apocalypse et nous allons voir les lettres, les épîtres écrites par Jean, provenant de Christ, le chef de l'Église à l'Église. Et il écrivait au ministre de l'Église. Et comme vous voyez, ces sept lettres et épîtres écrites de Christ au travers de Jean le Bien-Aimé, vous allez bien comprendre, numéro 1, qu'il y a une association première. C'est-à-dire le chef de l'Église écrivait particulièrement aux Églises et à l'Église d'Éphèse, au ministre, au pasteur, à l'ange de l'Église de Smyrne. Et tu écris à cela, il y a une association première à cela. C'est-à-dire le premier auditoire à qui le Seigneur a écrit la parole. Alors, il y a une application première pour vous et pour moi, pour chacun de nous appliquer la parole. C'est comme vous lisez dans la Genèse, il y a une application personnelle, ce que vous lisez en Josué, il y a une application personnelle, tout ce que vous lisez dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, 3, les lettres, les épîtres, les messages de Christ aux dirigeants, aux ministres de l'Église, cela a une application personnel à chaque ministre et à chaque membre. Et puis également, cela a une anticipation prophétique. On attend l'avènement de Christ. Au fait, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de son avènement. Et dans ses lettres, il a dit, repens-toi, sinon je viendrai et j'enlèverai le chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Alors, il a écrit aussi aux églises, dit que vous retenez ce que vous avez afin que personne ne prenne votre couronne. Que celui qui garde ma parole jusqu'à la fin, celui-là, il lui donnera la récompense. Donc, il y a une anticipation prophétique numéro 1. Il y a une association première relative aux églises à qui il a écrit 2. Il y a une application personnelle 2. Il y a 3. Il y a une anticipation prophétique. Nous allons maintenant à Apocalypse 2, verset 8 qui dit ici. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Écris à l'ange, au ministre, à l'évêque, au dirigeant de l'église de Smyrne, c'est-à-dire de cette ville. Voici ce que dit le premier et le dernier, le Seigneur Jésus-Christ. Il se présentait, il dit que celui qui était mort, on savait cela, on sait qu'il était crucifié, il était mort, il était enseveli, il était ressuscité et qui est revenu à la vie. C'est au sujet de sa résurrection et il vit à toujours. Verset 9 dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le verset 10 nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera
quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Il y a l'épreuve du croyant afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Un bref moment, une brève période, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et puis il nous dit au verset 11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, il veut que nous comprenions qu'il a quelque chose à vaincre. Il veut que nous décidions que nous allons vaincre. Et dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est la lettre qu'il a écrite au ministre. Et cela a une application à vous, à moi et à tous les membres et à chaque membre de l'Église de Dieu. À l'instar de ce ministre, l'Église, l'ange de l'Église à ce ministre, à l'instar de ce pasteur, de cet évêque, de ce berger de l'Église de Smyrne, il a été persécuté, mais pas écrasé. Il y aura la persécution, mais vous n'êtes pas vaincu. Alors le Seigneur va modérer la persécution, la tentation. Il ne va pas permettre que vous soyez tenté au-delà de votre force. Comprenez cela. Quel que soit ce qui arrive, vous allez vaincre. Vous pouvez vaincre, vous devez vaincre. Parce qu'il va faire une échappatoire afin que vous soyez en mesure de le supporter. Mais à l'instar de ce ministre, comme ce pasteur de l'église de Smyrne, chacun de nous en tant que ministre, que nous soyons avec les jeunes ou sur le campus, que nous soyons avec les enfants, nous tous sommes ministres, que nous soyons avec les femmes ou bien vous prêchez aux femmes à l'église entière plutôt, nous sommes dirigeants, nous devons demeurer fixés, focalisés sur l'objectif. C'est la qualité de ce dirigeant Asmin. La persécution est venue, les vents ont soufflé, il y a la véhémence, mais tout de même, il est resté sur son objectif. Et il est un homme de prière. Vous le dire que, parce qu'il a la puissance pour vaincre, il a la paix en lui, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de turbulence. Alors, lorsque vous êtes fixé sur l'objectif, vous n'allez pas perdre la paix, vous n'allez pas quitter votre objectif pour aller ailleurs, vous n'allez pas commencer un combat local. Lorsque vous êtes un homme de prière, vous allez tout laisser entre les mains de Dieu et vous serez en paix, vous allez rester pur. Parce que frères et sœurs, vous comprenez, quel que soit ce dont on souffre, s'il n'y a pas de pureté, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit comment nous servons, si on ne demeure pas pur, comment allons-nous aller au ciel au dernier jour? Non seulement qu'il était pur, il était puissant. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ah, voyez, pour le ministre et pour le pasteur, pour le berger, l'ange de l'église à Smyrne, et pour qu'il demeure un homme d'objectif, un homme de prière, un homme de paix, un homme pur, alors il doit être puissant. Mais vous savez, au fait, dans l'église primitive, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. De Acte 2, vous venez à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire que les dons sont à vous, à vos enfants, et comme ils continuaient, ils n'ont permis à personne de continuer, dire que je suis sauvé, sanctifié. Alors ils les ont conduits à l'espérance du baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi? Vous voyez dans le chapitre 19, de Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez reçu, depuis que vous avez cru? Alors vous êtes maintenant enfant de Dieu, vous êtes devenu ministre. Alors quelles qualifications avons-nous? Nous devons être sauvés, nous devons être sanctifiés et nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et puis ce ministre, comme vous et moi, alors il était passionné. Alors il a l'enthousiasme, il avait le cœur chaud de ce qu'ils vont faire. Alors ce ne sont pas des gens qui sont tièdes, des gens froids, chaque fois épuisés, chaque fois traînant le pas. Non, ce sont des gens passionnés, des gens propulsés, des gens poussés par la force de la puissance du Saint-Esprit et sont productifs. C'est très important que nous comprenions que comme le Seigneur nous a appelés, il veut que nous soyons des gens d'objectifs, des gens productifs, et ce sont des gens persévérants. La persécution était là, ils ont dit, non, je vais aller là-bas une autre semaine, je vais aller une autre
semaine, un autre mois, une autre année, si Jésus tarde, malgré la persécution, les ministres d'antan, non seulement les ministres de l'église de Smyrne, tous ces ministres sont restés sur leur objectif. Le Seigneur nous appelle, toi et moi, de nous examiner notre objectif encore, oui, des gens d'objectif, des gens de prière, des gens de paix, des gens purs et purifiés, puissants, des gens passionnés, productifs et persévérants. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, alors, auquel on est confronté. Ce soir, nous allons voir le message qui est la préservation promise des persécutés. La préservation promise des persécutés. Nous avons déjà lu le passage. Le message est divisé en trois parties. Nous allons voir la première partie qui est le fondement et la forteresse des serviteurs commissionnés. Le Seigneur Jésus-Christ s'était présenté, vous savez qu'il est le fondement, vous savez qu'il est la forteresse des serviteurs commissionnés. Deuxième point, l'intrépidité et la fidélité des soldats chrétiens. On ne peut jamais dire cela très souvent, parce que vous savez, si le diable découvre dans notre main, dans notre cœur, que nous sommes peureux de lui, que nous le craignons, si la société découvre que quoi qu'on soit dans le village, là, dans la ville, là, dans ce domaine de la communauté, qu'on est peureux, chaque fois on baisse la tête, on ne sait quoi faire, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qu'on va nous jeter, on ne connaît pas notre droit d'élection, on ne connaît pas notre droit de rédemption, on ne connaît pas notre droit de commission, le droit que nous avons en tant que des soldats commissionnés de la croix. Si on ne connaît pas cela, nous allons parcourir la vie peureux et on est déprimé, on est opprimé, on est découragé, on pense que avec quand est-ce que cela va prendre fin. Alors nous serons piétinés. Mais nous avons l'intrépidité et la fidélité des soldats chrétiens. Un soldat qui va sur son territoire et soit il reprend le territoire de l'ennemi pour son pays ou bien il protège le territoire pour son pays. Alors il doit être intrépide aussi bien que fidèle. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelé. Deuxième point, c'est l'intrépidité et la fidélité des soldats chrétiens. Troisième point, c'est les facteurs dans le courage des saints vainqueurs. Les saints qui vainquent, quels sont les facteurs? Quels sont les éléments? Quels sont les éléments variés qui font des saints chrétiens, des saints vainqueurs, qu'ils ont le courage et qu'ils ont l'énergie et l'épine dorsale pour vaincre à tout moment? C'est le troisième point maintenant. Les facteurs dans le courage des saints vainqueurs. Nous allons au premier point maintenant. Premier point, nous allons considérer Apocalypse 2, verset 8. Apocalypse 2, verset 8, qui dit, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il était mort, maintenant il est vivant. Voyez ici trois choses. Numéro 1, on a vu le premier. On a vu le premier, le dernier et l'éternel. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, comme il s'est présenté, au fait, il a amené certaines qualités, certains titres dans le chapitre 1. On va Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8, qui nous dit ici, « Je suis l'alpha et l'oméga, voici Christ, voici notre sauveur, voici celui-là qui nous a commissionnés et qui dit, il n'y a rien devant lui, il n'y a rien après lui, que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. » Voilà le verset 11. Verset 11 dit, qui disait, ce que tu vois, elle a répété qu'il était alpha ou oméga, alors elle dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et il dit, qu'il est le premier et le dernier. Comme il continue de parler de Christ lui-même, le sauveur. Verset 17. Verset 17 dit, que quand je le vis, Jean a dit, quand je le vis, quand je vois celui qui m'a commissionné, quand je vois celui qui était mort pour moi à la croix du calvaire, quand je vois celui qui a pris ma tête dans ses entrailles, maintenant il est à la gloire. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main.
sa main droite. Lorsque la main droite là vient sur vous, vous ne serez plus faible. Lorsque la main droite là vient sur vous, vous serez fort dans l'homme intérieur. Lorsque la main droite là vient sur votre vie, dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Allez partout dans le monde entier et enseignez toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit. Et que je suis avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lorsque la main droite là vient sur vous, toutes les fois que vous serez faible, la main droite là va vous fortifier. Lorsque vous êtes découragé, la main droite là va vous fortifier, va vous décourager. Et me dit, et en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Que voici la raison pour laquelle vous n'allez pas craindre. Je suis le premier et le dernier. Voilà le verset 18 qui dit, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Je suis dans le passé, j'étais mort, maintenant je vis présentement et voici je suis vivant au siècle des siècles. C'est pour vous là-bas, je suis vivant au siècle des siècles. Vous avez besoin de lui, il est pour vous, il veut prendre soin de vous, il veut mettre sa main puissante sur vous. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du sujet des morts et du séjour des morts. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Nous allons voir verset 12 qui nous dit, et voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà le verset 13. 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, que je vous rappelle cela en chapitre 1, je suis l'alpha et l'oméga. Il a dit chapitre 2, je suis l'alpha et l'oméga, c'est ce qu'il avait dit. Et à la fin du livre de l'Apocalypse, il n'a pas changé, il est demeuré toujours le même. Toutes les choses qui vont se passer au cours de l'âge de l'Église, dans chapitre 1 et 3, il est demeuré alpha et oméga. Les choses qui vont se passer du chapitre 4 au chapitre 5, lorsque son trône sera exalté, on a les anciens qui adoraient le Seigneur, il était demeuré toujours l'alpha et l'oméga. Les choses qui vont se passer du chapitre 6 au temps de la grande tribulation jusqu'à la fin, lorsque Satan sera lié, il est toujours alpha et oméga. Et dans le règne millénaire, il sera toujours l'alpha et l'oméga. Et lorsqu'il viendra à la fin pour instaurer son royaume éternel, il sera toujours l'alpha et l'oméga. Et je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est l'Éternel. Alors voici, il est également numéro 2, il est le fondement et le Seigneur de tous. Lorsqu'il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il n'y a pas d'autre fondement, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre rédempteur. Mais nous allons voir deuxième session maintenant de ce premier point, le fondement et le Seigneur de tous. Et 1 Corinthiens 3 verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et qu'est-ce que Paul voudrait dire par là? Quel est le fondement? Le fondement de notre foi pour tout le monde. Si vous aurez la foi en Dieu et si vous aurez le salut en Christ, Christ est le fondement. Voilà le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il est le fondement. Il est le fondement. Et on dit en Ésaïe 28 ce que le Dieu Tout-Puissant lui-même a dit en Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Vous voulez avoir l'assurance que quelque chose qui se passe, les vents qui soufflent, les épreuves, les tentations, quelles que soient les tribulations, que vous irez au ciel. Voici le fondement. Il est le premier et le dernier. Il est le fondement et il est le Seigneur de tous. Et c'est dit qu'une pierre éprouvée et pierre angulaire de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous devez
décider. Je sais que tu es un ministre, mais il veut que tu décides. Que quel que soit ce qui arrive, advienne que pourra, que tu crois au Seigneur, tu continues de croire en lui, tu continues de croire. Lorsque les maladies se présentent, tu crois que celui qui croit. Lorsque les épreuves arrivent, celui qui croit, tu continues de croire. Lorsque quelque chose arrive que vous ne comprenez pas, vous devez vous rappeler que le Seigneur qui est votre libérateur, le Seigneur qui est votre fondement, il dit que je sais. Toi, tu ne connais pas, tu ne sais pas, il dit que je sais. Il y a quelque chose qui se passe que vous n'arrivez pas à comprendre, il dit que je comprends. Et lorsque vous croyez en lui comme ça jusqu'à la fin, alors vous n'allez pas fuir. Alors le Seigneur sera avec vous. On va au Philippiens 2. Et nous lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Cela parle de l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné à Christ, le premier et le dernier, un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné au Seigneur l'alpha et l'oméga, le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà le verset 10. Verset 10 dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, il est le fondement, il est le Seigneur de tous. Alors, et ceux qui l'ont accepté, et ceux qui l'ont reçu, et ceux qui lui donnent leur vie, et ceux qui regardent au calvaire, ceux qui regardent le sacrifice qu'il a fait, et qui ont mis leur confiance en lui, celui qui croit en lui ne sera pas confus, celui qui croit en lui n'aura pas hâte de fuir, celui qui croit en lui ne sera pas déçu. Si c'est fait volontairement, il est leur Seigneur. S'ils ne font pas cela volontairement, à la fin, après la mort, sans Christ, après qu'ils seront morts sans le salut, il sera toujours le salut, lui sera le Seigneur de tous, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et puis dit, verset 11, dit, et que toute langue confesse, c'est pourquoi nous disons qu'il est le fondement, il est le Seigneur de tous. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté comme le premier et le dernier, il est éternel. Il s'est présenté comme le fondement, le Seigneur de tous. Voyons la section 3 maintenant ici, il est la forteresse et le libérateur sans égal. Il n'y a personne à comparer. Il n'y a personne qui puisse comparer Jésus au prophète de l'Ancien Testament. Il n'y a personne qui puisse le comparer. Il est sans égal. De tous les apôtres, de tous les hommes dans le Nouveau Testament, il n'y a personne qui puisse se comparer à Jésus-Christ. Il est le libérateur sans égal. De tous les hommes qui ont vécu dans l'histoire, de tous les hommes qui vivent aujourd'hui et de ceux qui vont continuer de vivre jusqu'à ce que Christ soit là, il n'y a pas d'égalité. Il est la forteresse, il est le libérateur sans égal. Allons au psaume 18. Verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Es-tu faible? Le Seigneur est ta force. Es-tu inquiet? Le Seigneur est ta force. Et la joie du Seigneur sera ta force et ta puissance au-dedans. Verset 3. Éternel mon rocher, ouais, le rocher des âges, alors que je me cache en toi, que l'eau et le sang qui coulent de ta côte soient pour le péché une double cure. Il est notre rocher, il est ma forteresse. Le Seigneur Jésus-Christ est cette puissante retraite de la tour. Le juste s'y réfugie se trouve en sécurité. Alors, il est mon libérateur. Il délivre dans le passé, il délivre maintenant, il va continuer de délivrer. Il est mon Dieu, il est mon rocher où je trouve un abri. Le jour, je me confie en lui. La nuit, je me confie en lui. À tout moment, je me confie en lui. Vous ne serez pas déçus au nom de Jésus-Christ. Où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma
haute retraite. Ma haute retraite, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le danger, il est à côté de vous là-bas. Il est la haute retraite. Alors votre haute retraite, courez vers lui et vous serez sauvés, vous serez sécurisés, vous serez préservés parce qu'il est la forteresse et le libérateur sans égal. Alors maintenant le verset 36. Et tu me donnes le bouclier de ton salut. Ouais, lorsqu'on est de nouveau, c'est pas seulement dire que je suis né de nouveau. La vie continue comme d'habitude. Je suis né de nouveau. On est toujours faible comme toujours, comme le passé. Je suis né de nouveau, mais je suis totalement déprimé comme auparavant. Je suis né de nouveau, je demeure impuissant. Non, le Seigneur me donne. L'alpha et l'oméga me donne. Le Seigneur me donne. Mon Sauveur me donne. Il dit. Celui qui est mort et qui est ressuscité pour ma justification me donne, tu me donnes le bouclier de ton salut. Rappelez-vous lorsque vous venez dans le Nouveau Testament que vous avez le bouclier du salut. Et ça dit que ta droite me soutient. C'est la droite encore, vous rappelez, la droite est venue sur Jean et il était fortifié, il a reçu la force et ça dit ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté. Vous devez vous rappeler le Seigneur Jésus-Christ. Il est humble et doux. Et il a pris. Ils l'ont arrêté. Et ils l'ont jugé d'ici et là. Il n'a même pas ouvert sa bouche. C'est ce calme auquel il se réfère. Et ce calme qu'il se réfère à sa bonté, à sa douceur. Alors il nous a fait grand. Il nous a fait sortir du cachot du péché. Il nous a amené à la montagne de la lumière de l'évangile. C'est-à-dire que je suis devenu grand par ta bonté. Jérémie 16, verset 19. Éternel, ma force et mon appui. Si vous vous rappelez Jérémie, les théologiens l'appellent le prophète pleurnichard. Il a beaucoup de problèmes, beaucoup de persécutions. Il a connu beaucoup de souffrances. Mais ici, Jérémie est venu ici. Il dit, mais ce que j'ai traversé et je suis arrivé à la fin. Je suis demeuré ferme dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force. Parce que l'Éternel est mon appui. Parce que l'Éternel est mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Verset 21 dit, c'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette fois. Je leur fais connaître ma puissance et ma force. Voyez, il vous a choisi. Vous êtes enfant de Dieu, non seulement ça. Vous êtes fils, fille de Dieu, non seulement ça. Vous êtes serviteur du Seigneur. Il a fait de vous un ministre, un ange dans l'église. Vous pouvez mettre le nom de votre ville. Vous n'êtes pas Smyrne maintenant dans votre ville maintenant. Et sa main droite est avec vous. Il vous fait connaître sa puissance et sa force. Et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Que mon nom est le vainqueur. Que mon nom est le tout en tout. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Celui qui a le dernier mot. Nous allons à Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5 dit. Car un enfant nous est né. Je sais que vous connaissez le verset, mais pour que vous dites que vous vous dites moi, à cause de moi, si vous êtes le seul pécheur dans le monde, si vous êtes la seule personne qui a besoin de la rédemption dans le monde, Christ sera toujours donné pour que tu dis que car un enfant m'est donné, un fils nous est donné, un fils m'est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Comme nous voyons les titres du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas mener une vie faible, une vie déprimée, une vie découragée, une vie impuissante. Nous devons nous réveiller et comprendre.
qui notre Sauveur est, qui notre Sanctificateur est, qui notre Seigneur est, et c'est que et il est le Prince de la Paix, il est le Père de l'éternité. Voilà le verset 6, c'est qui dit donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, dès maintenant et à toujours. Tout ce que Jésus a fait, cela continue d'être efficace pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées dans notre vie. Voyons, Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Soulignez cela, il n'y en a plus d'autre. Le Père Céleste est sans égal. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est qui dit que je suis l'alpha et l'oméga, qui dit que je suis le premier et le dernier, qui dit que je suis mort et je suis revenu à la vie. Il est également sans égal et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il est la forteresse, il est le libérateur et sans égal. Voyons le verset 10. Qui dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Est-ce que vous vous rappelez, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes arrêts subsisteront. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il a décidé, quel que soit ce qu'il a projeté pour tout l'univers, pour toutes les générations et pour toutes les dispensations. Mais il faut ramener ça à votre vie, à votre ministère, à votre famille. Et il dit que mes arrêts subsisteront. L'alpha et l'oméga. Celui qui était mort et qui est revenu maintenant à la vie, celui qui vit à jamais. Le Seigneur est le libérateur, votre sauveur et celui qui vous sanctifie, et votre force et votre forteresse. Il dit, mes arrêts subsisteront dans l'église. Ces arrêts subsisteront dans votre vie. Ces arrêts subsisteront dans votre famille. Ces arrêts subsisteront. Retournez au monde. Retournez voir ce qu'est son conseil, ce qu'est sa parole prophétique qu'il a prophétisée au sujet de votre vie, au sujet de l'église. Mes arrêts subsisteront. Lorsqu'il dit que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, on voit le fondement et la forteresse des serviteurs commissionnés. On va au deuxième point. Deuxième point, nous lisons Apocalypse 2. Voilà le verset 9 au verset 10. Apocalypse 2, nous lisons le verset 9 qui dit, Je connais tes œuvres. Ceci est consolant. Les gens ne connaissent pas ta valeur, je connais ta valeur. Les gens ne connaissent pas ton activité, mais je connais ton activité. On dit que celui-ci est pasteur, celui-ci dit qu'il est pasteur, celui-ci dit qu'il est ministre. Au fait, qu'est-ce qu'il a fait? On n'apprend rien de lui. Ne vous en faites pas. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais tes œuvres. Alors, il dit que je connais ta tribulation. Et je continue de te parler. Tu vis, la tribulation ne va pas t'engloutir. La tribulation ne va pas t'engouffrer. La tribulation ne va pas éliminer toute ta force et ton énergie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et voyons et les parenthèses là-bas. Bien que tu sois riche. Ouais, vous comprenez? Je connais ta pauvreté et intérieurement, mais extérieurement, voici ce que je sais. Bien que tu sois riche. Je sais que tu es riche dans la grâce. Je sais que tu sois riche en grâce et en piété. Je sais que tu,
tu es riche en justice de Dieu. Je sais que tu es riche en ressources, en richesses de la gloire qui demeure dans ta vie, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Une tribulation de 10 jours, qu'est-ce que cela veut dire? C'est temporaire. Ce sera bref. Ce n'est pas quelque chose de longue durée. Ce n'est pas quelque chose d'indéfini. C'est seulement 10 jours. Souvenez-vous, lorsque Daniel a dit au chef des eunuques, éprouve-nous 10 jours avec des légumes et de l'eau, et tu vas voir ce qui va se passer, seulement un bref moment, ce n'est pas un long moment. Alors, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Je veux que vous voyez quelque chose dans ce verset où commencement dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois intrépide à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, voyons cela dans deux perspectives. Numéro un, ne crains aucune de ces choses. Ne crains aucune de ces choses. Numéro 2, sois fidèle. Voyons le numéro 1, quand il dit ne crains aucune de ces choses, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Numéro 1, ne crains aucune souffrance pour un service sacrificiel. Il dit que tu vas souffrir. Tu sais, le Seigneur, sacrificiellement, et tu souffres pour cela, dis que ne crains pas cela, ne crains pas la souffrance d'un service sacrificiel. On va à 1 Pierre 3, verset 14. 1 Pierre, chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, frères et sœurs, il ne faut pas oublier cela, je suis juste. Pourquoi je souffre encore? Et parce que les gens ne comprennent pas la justice. Je suis juste. Et pourquoi je suis encore persécuté? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la justice. Alors ce que nous comptons une justice, ce que Christ appelle justice, ce que la Bible révèle comme justice, alors vous croyez que c'est un caractère particulier, c'est comme il est excentrique, c'est comme cela ne convient pas au monde d'aujourd'hui, et à cause de cela et à cause de leur mauvaise compréhension d'un sacrifice service et de la justice et de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est pourquoi vous souffrez. Et c'est dit d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. On ne pleure pas, on ne larmoie pas, intérieurement ou bien en privé dans votre coin là-bas, vous ne baissez pas la tête, dites pas pourquoi moi, pourquoi cela arrive. Cela arrive parce que vous vous identifiez avec Christ. Vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte. Lorsque vous dites que ceci est terrible, comment quelqu'un peut traverser ceci? Comment quelqu'un peut supporter ceci? Ceci est terrible. Il dit, n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15 dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Prenez la souffrance comme une opportunité de déclarer plus la vérité de Dieu, et que vous êtes prêt à répondre à tout homme qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et verset 16 dit, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et le verset 17 nous dit, car il vaut mieux souffrir
Si telle est la volonté de Dieu, chaque fois il faut prier que la volonté de Dieu soit faite. S'il y a une persécution, que la volonté de Dieu soit faite. Mais vous savez, on ne prie pas comme ça, on dit Seigneur, outre la persécution, faut dire que ta volonté soit faite. Nous disons Seigneur, allège la persécution. Faut pas prier comme ça, que ta volonté soit faite. Je ne veux pas supporter ceci, je ne veux pas traverser cela. Il faut prier que ta volonté soit faite. Il va tout modérer. Il a permis à cela. S'il permet cela pour un objectif, que l'objectif pour lequel le Seigneur a permis à la souffrance pour le sacrifice, le service sacrificiel soit atteint. Alors, c'est dit car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 18 est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Le Seigneur a dit à l'église, à l'ange de l'église de Smyrne, ne crains aucune des choses que tu vas souffrir. Quelles sont les choses? Numéro 2, ce sont les blasphèmes des orgueilleux. Arrivé à Apocalypse 2, et vous lisez verset 9, Apocalypse 2, verset 9. Nous lisons le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, vois ceci, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, à cause de vouloir vous irriter, vous énerver, vous déprimer, et ils blasphèment le nom du Seigneur. Alors cela cause la souffrance, vous voyez, la souffrance émotionnelle, lorsque quelqu'un insulte votre père, lorsque quelqu'un insulte votre mari, lorsque quelqu'un insulte votre femme, lorsque quelqu'un insulte votre créateur, lorsque quelqu'un insulte votre sauveur, lorsqu'il blasphème le nom du Seigneur que vous aimez tant, c'est comme une épée dans le cœur que ne permet pas à cette souffrance émotionnelle, ne permet pas à cette souffrance psychologique, les calomnies des orgueilleux. Voyez, parce que voici ce qui va se passer dans les derniers jours. On va à 2 Timothée 3, verset 1. Qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, voyez ceci, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Le Seigneur l'a dit que cela va se passer. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Lorsque vous tenez bon, lorsque vous prenez la position pour la justice et la sainteté, vous pourrez souffrir pour cela. Vous pourrez, les gens vont commencer à faire de mauvais commentaires sur vous, sur Christ, sur votre salut, sur la Bible. Ils vont commencer à faire de mauvais commentaires sur les doctrines de la Bible. Et ils se vantent. J'espère qu'ils ne s'approchent pas de moi. J'espère qu'ils ne m'apportent pas son message comme la seule voie, comme la seule religion, que la voie étroite qui mène au ciel. J'espère qu'ils ne s'approchent pas de moi pour dire cela. Alors, ils blasphèment. Ne permettez pas à ceux là de vous repousser, ne permettez pas cela de vous déprimer, de vous opprimer. Et si vous arrivez à Apocalypse 2:9, ne crains pas la synagogue de Satan. Dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais voyez ceci, regardez ceci. Mais qui sont l'indicatif présent, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire l'industrie de Satan, c'est-à-dire la manufacture de Satan où il fabrique ses mensonges, ses méchancetés, là où il démontre la puissance des ténèbres, là où il appelle les gens, dit que Jésus peut faire ceci, que Jésus peut faire cela, et puis ils vont avoir de faux signes et des signes mensongers, la synagogue de Satan. Dit que ne permet pas à cela de vous opprimer, de vous confondre ou de vous rendre
apeurés s'ils font cela dans la synagogue de Satan, que pouvons-nous montrer que nous sommes plus puissants qu'eux, que nous ne rivalisons pas avec eux, vous faites l'œuvre que le Seigneur vous a donné à faire. Faut pas vous plonger dans quelque chose parce que vous apprenez des actualités de la synagogue de Satan, que ceci se passe, que cela se produit là-bas. Voilà le Apocalypse chapitre 3 verset 9. Apocalypse 3, nous lisons le verset 9 qui dit: voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, soulignez cela, qui se disent juifs, ils sont religieux, mais ne sont pas justes, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, alors, vous êtes vainqueurs. Vous allez vaincre tous les agents de la synagogue de Satan. Vous allez vaincre toute la cohorte de la synagogue de Satan, si vous êtes vainqueur, si vous allez vaincre, pourquoi allez-vous craindre ces choses? Nous allons à Romains chapitre 16, verset 20, nous lisons le verset 20. Romains 16, verset 20 qui dit: et le Dieu de paix écrasera Satan, écrasera bientôt Satan avec toute sa synagogue sous vos pieds. Il y a des gens, quand ils veulent parler, quand ils vont mentionner Satan et couvrent leur bouche, ou pas permettre à Satan d'apprendre ceci, lorsqu'ils veulent parler et ils vont mentionner leur atrocité et leur signe et mensonger de la synagogue de Satan, ils couvrent la bouche, ils ont peur. C'est exactement ce que le Seigneur a dit: ne crains pas. Il dit: ne crains aucune de ces choses. Ne crains numéro un, la souffrance que vous pourrez avoir pour le sacrifice, le service sacrificiel. Ne craignez pas les blasphèmes des orgueilleux. Ne craignez pas la synagogue de Satan, parce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Pourrez-vous dire amen? Il le fera au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Numéro 4, il dit: ne crains pas la persécution dans la prison. La persécution dans la prison. Déjà, il nous a dit en Luc 21, nous lisons le verset 12 qui dit: mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Voyez, vous serez persécutés. Et puis, on voit la parole là-bas qu'on vous jettera en prison. Donc, lorsque ces choses se produisent, faut pas que ces choses vous surprennent. Au fait, Paul et Silas, lorsqu'ils se trouvaient en prison, ils n'étaient pas surpris. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi ces choses doivent nous arriver? Nous avons examiné notre vie, on a examiné notre ministère, nous nous sommes examinés, nous avons examiné notre cœur, notre sincérité, nous examinons notre transparence, nous nous sommes examinés et nous avons vu notre fidélité. On ne peut rien voir de mauvais dans notre vie. Néanmoins, nous sommes emprisonnés. Non, ils n'étaient pas malheureux. Voyons leur attitude en Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, lorsque toutes les lampes sont assoupies et dans la nuit profonde, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas dormir. Comprenez cela. Pour certains, ils ont un petit mal de tête. Ils ne peuvent pas dormir. Alors, ils se rendent. Ils se privent du sommeil. Ils ont appris une petite mauvaise nouvelle venant du village. Alors ils ne peuvent pas dormir. Ils ont appris quelque chose. Ils disent: pourquoi ceci se passe? Pourquoi cela? Alors ils se privent de sommeil. Mais Paul et Silas ne se privent pas de sommeil. Alors ils se sont mis de côté, comme nous allons prier, parce qu'ils vont prier, louer le Seigneur vers le milieu de la nuit.
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne se lamentaient pas, ils ne gémissaient pas, ils ne pleuraient pas, mais chantaient des louanges à Dieu. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes vos portes seront ouvertes. Donnez-moi. Amen. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Un lien, tous les liens sur votre femme, tous les liens sur vos enfants, tous les liens sur vous-même, quand vous chantez au Seigneur, comme louez son nom, le jour ou la nuit, c'est dit que, et les liens de tous les prisonniers furent rompus, frères et sœurs. Avez-vous jamais chanté hors de l'église? Il y a des gens, c'est seulement à l'église qu'ils chantent. Seulement, c'est au moment de chanter le cantique qu'ils chantent. C'est seulement lorsque nous sommes ensemble ici qu'ils chantent. Est-ce que vous chantez lorsque vous êtes à la douche? Est-ce que vous chantez au salon lorsque vous êtes là? Est-ce que vous chantez à la cuisine? Est-ce que vous chantez lorsque vous êtes à la maison? Et est-ce que vous chantez à minuit lorsqu'il y a un bulletin médical que voici ce qui s'est passé, ceci ne va pas bien? Est-ce que vous chantez? Et si on chante plus, on verra plus de signes et de miracles. Paul et Silas chantaient alors sans faire aucun cas de l'emprisonnement, qu'on n'a pas peur d'une épreuve temporaire de la tribulation. Au fait, Jésus a dit en Jean 16, verset 33, qui dit Jean 16, 33, qui nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que vous ayez la paix en Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Ne sois pas déprimé à cause de cela, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour vous, en votre faveur. À cause de cela, il dit, prenez courage, soyez heureux, soyez joyeux à tout moment, et la joie du Seigneur sera votre force au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, revenons à Apocalypse 2. Apocalypse 2, on va verset 9 et 10. Verset 9 dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Vous êtes riche dans la grâce, vous êtes riche dans sa bonté, vous êtes riche en piété, vous êtes riche en sa gloire. Et il est riche dans la gloire et vous loue et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. On a deux côtés de la pièce. Un côté est dit, ne crains pas. L'autre côté de la pièce dit, sois fidèle. Et si vous ne craignez pas, et en même temps, vous ne regardez pas l'autre côté de la pièce, alors cela n'est pas complet. Vous devez avoir un côté qui dit ne crains aucune de ces choses et l'autre côté de la pièce qui dit sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, à quoi serons-nous fidèles? Nous serons aussi fidèles, aussi dévoués que les disciples. Nous devons être fidèles en tant que disciples dévoués. Et 1 Corinthiens 4:1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, il parle de vous en tant que ministre de Christ. Voici ce qu'il dit, et que portez-vous en tant que ministre de Christ, considérez-vous votre comportement,
votre stature, votre posture, votre langage, votre caractère, votre apparence extérieure et votre présentation à tout moment et partout où vous vous trouvez. Et comprenez que vous êtes ministre de Christ. Alors portez-vous, comportez-vous de telle manière, ainsi qu'on nous regarde, comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun, que chacune, qu'un homme, qu'une femme soit trouvé fidèle en tant que disciple dévoué de Christ. Vous êtes fidèle en peu de choses, vous êtes fidèle en beaucoup de choses. Numéro 2, fidèle en doctrine. Lorsqu'il dit, nous devons être fidèles, et nous sommes fidèles, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Numéro 2, fidèles en doctrine. Voyons Tite 1, verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Nous sommes fidèles dans notre fidélité. On est fidèle à la parole de Christ et à la parole du Seigneur par la saine doctrine. Voyons Tite 2. Et nous voyons le verset 7. 7 qui dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Vous êtes ministre, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. En tant que mari, te montrant toi-même à tous égards un modèle à toute l'église. En tant que femme, te montrant toi-même à tous égards un bon modèle à toute l'église. En tant que veuve et en tant que veuf, qui est un ministre, un enfant de Dieu, tu es un ministre de Dieu. Tu te montres toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Et en tant qu'un célibataire, tu n'es pas encore marié, mais tu es ministre, tu te montres toi-même à tous un modèle de bonnes œuvres. En tant qu'une femme célibataire, une jeune dame, une sœur qui n'est pas encore mariée, mais tu es une ministre de Dieu et tu travailles dans cette session, dans l'autre, tu te montres à toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres que les gens te vois, que les gens lisent la Bible dans ton caractère, que les gens lisent la Bible dans ta conduite et ses dits, et donnant un enseignement pur, digne. Vous n'êtes pas une personne triviale, vous n'êtes pas frivole, vous n'êtes pas imprudent, vous n'êtes pas léger, vous n'êtes pas sans valeur et vous n'êtes pas sans valeur. Vous devez avoir une certaine valeur. Vos paroles doivent avoir une certaine valeur. Votre vie doit avoir une certaine valeur. Et c'est dit, et donnant un enseignement pur, digne. Verset 8. Une parole saine, irréprochable. Une parole saine, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voyons 1 Timothée chapitre 4, verset 15 qui dit, occupe-toi de ces choses. Tout ce que nous attendons, que nous devons être intrépides et dans tous les domaines qu'on doit être intrépides, que nous devons être fidèles dans tous les domaines qu'on doit être fidèles, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Ou pas te donner partiellement ou encore partager superficiellement, mais c'est dit, donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Votre progrès dans le ministère, votre progrès, votre croissance dans l'œuvre de Dieu, dans votre main. Et verset 16 qui dit, verset 16 dit, veillez sur toi-même et sur ton enseignement, c'est là qu'il veut qu'on soit fidèle. Vous êtes fidèle en tant que disciple dévoué. Vous êtes fidèle en doctrine. Veille sur toi-même et sur ton doctrine et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Numéro 3, c'est d'être fidèle sans retard ni déficience. C'est-à-dire être fidèle sans retard ou déficience, ni déficience. Voyons, Matthieu 24,
Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Et c'est pour Matthieu 4, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Faut pas tarder. Alors, je veux nourrir la famille de Dieu. Alors, tu n'es pas encore prêt, pourquoi pas? Comment je veux nourrir les bébés, mais je ne fais pas cela, pourquoi pas? Je veux nourrir les affamés, je ne fais pas cela, pourquoi pas? Pas de retard pour les servir, leur donner la nourriture au temps convenable. Et puis, verset 46 dit, « Heureux, fortuné, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, faisant la bonne chose au bon moment, et paissant les agneaux et les brebis et le troupeau, et faisant cela sans retard, sans délai, sans déficience. » Vous savez comment cela veut dire? Alors, donner une alimentation équilibrée à l'église. Parler de la foi, parler de la guérison, équilibrer cela, parler de la sainteté, parler de la justice, parler des jours présents, équilibrer tout, parler de l'avenir, parler du futur, parler des péchés pardonnés. Il faut tout équilibrer, il faut parler de l'affranchissement du péché. Alors on le donne une alimentation équilibrée au temps convenable, au moment donné, au moment dit, la bonne chose qu'on leur donne. Et puis on est fidèle dans tous les détails. On est fidèle dans tous les détails. Alors, aux Hébreux, Hébreux 3, verset 5, qui dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il était fidèle dans tous les détails. Quand on retourne à l'Exode, il n'y a pas le temps pour lire cela, du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Vous allez voir, surtout chapitre 39 et 40, vous allez voir comment il dit, concernant ceci, il a tout fait comme le Seigneur lui a ordonné, peu de versets après, comme le Seigneur lui a ordonné, après quelques versets, comme le Seigneur lui a ordonné. On est fidèle, il était fidèle dans tous les détails. Voyons, Hébreux chapitre 8, verset 5. Verset 5 dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit de faire tout, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est la fidèle. Il était fidèle dans tous les détails. Et nous retournons à Apocalypse 2, verset 10. Vous êtes fidèle jusqu'à la mort. Vous êtes fidèle jusqu'à la mort. Ouais, frères et sœurs. Ouais, s'il y a un moment de ralentir, ce n'est pas seulement en ce temps-ci. Nous sommes plus proche de la fin que 10 ans passés. Nous sommes plus proches de la fin que 30 ans passés. Vous étiez fidèle 30 ans passés. Vous voulez ralentir. Ce n'est pas l'heure de ralentir. Parce que nous sommes plus proches de la fin maintenant. Nous devons être fidèles jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ceci. C'est quoi c'est dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, un moment temporaire. Sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 17 et 14. Les gens qui connaissaient le Seigneur, les gens qui servaient le Seigneur, ils sont fidèles. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Comprenez cela. Quel soit ce qui arrive, quel soit ce qui se passe, l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles. Et qui sont avec lui en ce temps-là, lorsqu'il viendra vaincre l'Antéchrist. Et qui sont avec lui, qui sont ces gens-là, ceux qui sont
ceux qui ont été enlevés pour l'enlèvement, qui sont allés avec le Seigneur, alors ils n'étaient pas, ils étaient absents au cours de la grande tribulation sur terre. Alors ils sont au ciel avec le Seigneur, et à la fin de la grande tribulation, Christ viendra, c'est le second avènement de Christ, lorsqu'il reviendra dans la gloire, il viendra avec ses anges, et il viendra avec des myriades de saints, et il viendra avec eux, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, ces gens qui vivront avec lui, ce sont les appelés, les élus et les fidèles. Ils sont fidèles jusqu'à la mort. Ils sont fidèles jusqu'à la fin. Donc, maintenant, ils seront des vainqueurs pour toujours avec le Seigneur. Nous allons maintenant au troisième point. Le troisième point, quel est le courage, et la force qui a rendu ces gens fidèles, intrépides, justes. Et ils ont la force du Seigneur pour avancer jusqu'à la fin. Nous allons voir troisième point. Nous allons voir maintenant les facteurs dans le courage des saints vainqueurs. Nous allons à l'Apocalypse chapitre 2 verset 11 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyons ceci. Il dit celui qui pas ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'Église, l'Esprit de Dieu parle à toute l'Église, aux églises entières, l'Église en Éphèse, à Spine, l'Église à Pergame, l'Église à Thyatire, l'Église à Philadelphie, l'Église à Laodicée, Il a parlé à toute l'Église que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Qu'il entende, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Comment nous saurons-nous que tu as des oreilles, j'ai des oreilles pour entendre? Numéro 1, nous obéissons à la parole après l'écoute. C'est l'évidence. J'ai des oreilles pour entendre, j'ai entendu, et je crois, et j'accepte, et j'obéis à la parole. Et après l'écoute, obéir à la parole après l'écoute. Et il nous dit en Matthieu, Matthieu 7, 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, alors c'est celui qui a des oreilles pour entendre sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Attendez. Lorsque vous bâtissez votre maison sur le rocher, vous avez vu les nuages qui s'accumulent comme une pluie diluvienne. Torrentiel va tomber, vous n'avez pas peur, le fondement est solide, les murs sont bien bâtis et le toit est ferme, vous n'avez pas peur de la pluie, mais si à tout moment la pluie s'annonce, vous avez peur de votre bâtiment parce que quelque chose ne va mal. Toutes les fois que les tentations arrivent et les épreuves viennent, les persécutions viennent, alors à tout moment qu'il y a l'opposition, vous avez peur, vous paniquez, il y a quelque chose qui va mal. Lorsque vous bâtissez votre maison spirituelle, la maison de votre vie chrétienne, la maison de votre ministère chrétien, sur le fondement qui est le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je prie que cela soit votre type de maison spirituelle. Allons à Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Ce sont ceux qui ont des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Voilà le verset 25. 25 dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce sont les gens qui ont des oreilles pour entendre, sont des pratiquants de la parole et seront heureux, seront bénis dans leur activité. Le Seigneur va continuer de vous bénir, va continuer de me bénir, de nous bénir, comme nous avons des oreilles pour entendre et nous démontrons l'obéissance à la parole que nous avons entendue. Numéro 2, c'est triompher du monde à travers la sainteté. Nous allons à Apocalypse 2. Nous lisons le verset 11. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons la deuxième partie du verset 11 qui dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, qu'est-ce que c'est? Il vainc la chair. C'est quoi? Il vainc le monde. C'est quoi? Il vainc la tentation du diable. C'est quoi? Il vainc toutes les pratiques iniques, pécheresses, souillantes de la société. Celui qui vaincra. Ouais, vaincra. Vainc. Pas celui qui a vaincu. Il y a des gens que 40 ans passés, lorsqu'ils étaient devenus chrétiens, ils étaient de puissants vainqueurs. 20 ans passés, lorsqu'ils étaient devenus pasteurs, ministres de l'évangile, ils étaient de vainqueurs, de grands vainqueurs. Mais aujourd'hui, leurs épaules se sont affaissées, leur épine dorsale s'affaiblit, leur confession s'est rongée. Ils ne peuvent pas vaincre aujourd'hui, même de simples choses, de plaisir, de simples pensées qui leur est arrivée. La persécution, la souffrance n'est pas encore arrivée, seulement une pensée. Et si ceci arrive, déjà, ils tremblent. Mais si nous continuons de vaincre, celui qui vaincra, s'il nous donne la grâce de 30 ans passés pour vaincre, il est le même Christ, il est le même celui que je suis, celui que je suis, il est Alpha et l'Oméga, il est celui qui était mort et qui est vivant, qui est revenu à la vie, il est celui qui a vaincu et qui vainc, il a toujours la puissance de vaincre. S'il était avec nous 40 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans, il est toujours avec nous aujourd'hui, et la même puissance qui nous a fait vaincre à l'époque là, la même puissance est là aujourd'hui. Alors, vous allez continuer de vaincre au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous êtes en bas, tenez-vous debout. Soyez éveillés et poussez-vous. Et secouez-vous de la poussière et tenez ferme et comprenez que par la grâce de Dieu ne fera pas défaut dans votre vie. Et sa grâce vous suffit. Cette sainteté va continuer jusqu'à la fin. Alors celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Deuxième Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. C'est ce que j'avais dit. Réveillez-vous et époussetez-vous de ces faiblesses, de ces souillures auxquelles vous vous êtes attachés, à vos reins, à vos corps, à vos pensées. Secouez tout et purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sainteté que vous avez est 40 ans passé, il faut la rendre plus approfondie, plus élevée, plus étendue, plus glorieuse. Alors il faut achever, à continuer cela dans la crainte de Dieu, parce que cela nous dit en deuxième Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 7,
car Dieu ne nous a pas appelés, car Dieu ne nous... 1 Thessaloniciens 4, 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Nous pouvons le dire chaque jour à Christ, car Dieu ne nous a pas appelés à vous, bébé en Christ, à l'impureté, à la sensualité, à la rétrogradation, à la compromission, à donner des excuses, mais à la sanctification. On peut dire cela à tout jeune homme en Christ, à toute jeune femme en Christ, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, aux activités charnelles, à la sensualité, mais vous a appelé à la sanctification. Si on peut dire cela au bébé spirituel, quand on peut dire ça à ceux qui croient, il ne vous a pas appelé à l'impureté, à combien plus fort raison pouvons-nous le dire au ministre, à combien plus fort raison à ceux qui prêchent aux hommes et aux femmes, et à combien plus fort raison aux pasteurs, à combien plus fort raison aux dirigeants, à la femme du dirigeant. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à l'impiété, à la frivolité, à l'imprudence, à la sensualité, mais à la sanctification. C'est pourquoi nous vainquons à tout moment, nous vainquons le monde à travers la sainteté. Et puis le numéro 3 maintenant, comme nous vainquons, et il y a la sainteté. Alors nous aussi, nous nous préoccupons du service du Très-Haut. Nous nous préoccupons du service du Très-Haut. Alors mettez-le d'une autre manière. Nous nous préoccupons du plus grand service pour le Très-Haut. C'est le plus grand service qu'on peut faire. On a reçu des témoignages des frères et des sœurs au sujet de toi, au sujet de moi, lorsque nous travaillons dans les institutions dans le monde en tant qu'enseignant moi-même, j'avais fait le meilleur. Je regarde les années, j'ai fait un regard rétrospectif de mon service séculier, c'était le meilleur. Et mes élèves qui sont en contact avec moi aujourd'hui rendaient le témoignage que je jouissais de cela, j'ai offert le meilleur. Tu peux le dire, tu es infirmier, tu es infirmière, tu es un médecin, tu es un ingénieur, tu es un ouvrier social et tu faisais ton meilleur. Tu as laissé une marque, une trace indélébile, tu l'as fait au niveau que les gens qui étaient venus après toi essayaient de battre le record, arrivé au standard que tu as fait, mais ils n'ont pas pu. Mais nous sommes arrivés maintenant à l'œuvre, au service du Très-Haut. C'est le plus grand œuvre, la plus grande œuvre que nous pouvons faire. Comme on était fidèles dans le monde séculier, on fait maintenant plus que ce qu'on a fait dans le boulot séculier, comme on a laissé une marque délibérée là-bas, qu'on est une star là-bas et qu'on brille là-bas et que nous faisions le meilleur. Maintenant, dans le royaume de Dieu, maintenant, on est préoccupé du faire du service du Très-Haut avec la plus grande dévotion, avec la plus grande le plus grand engagement. Luc 1, 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Vas-y, ouais, tu es le prophète du Très-Haut, tu es le proclamateur, tu es le pasteur, le prédicateur du Très-Haut, tu es le serviteur du Très-Haut. C'est dit, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. 76 dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, c'est avec ça qu'on est préoccupé, on fait l'œuvre du Très-Haut, et c'est dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il nous dit en Luc 19, verset 17 qui dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, est venu chercher ceux qui étaient perdus et nous donne un exemple et nous donne un modèle. Tout son cœur est en cela, ses dons sont au dedans et toute sa sagesse est dedans. Voyez comment
elle a abordé la femme samaritaine, toute la sagesse, tout le sacrifice, tout ce qu'il devait faire. Il a fait, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La façon dont on fait cela maintenant, nous sommes sur le modèle de Christ. Verset 13 qui dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, fais-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Fais-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Alors soulignez le mot, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Soulignez la phrase là. Alors il n'est pas venu, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Numéro 1. Alors préoccupez de cela jusqu'à ce que je vienne pour vous. Alors jusqu'à ce que je vous prenne, alors je vais regarder votre occupation, je vais regarder votre dévotion, je vais regarder la façon dont vous continuez dans l'œuvre du Seigneur. Alors préoccupez et vous de mes œuvres et vous faites cela jusqu'à ce que je sois venu. Alors voyez cela. Cela ne permet pas à la retraite. Cela ne permet pas qu'on se retire, qu'on aille à la retraite, qu'on ne prêche plus, qu'on se retire de moissonner. Et alors on doit se préoccuper de l'œuvre du Seigneur à sauver des âmes, à faire l'œuvre du Très-Haut et l'œuvre de la moisson. Alors faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que ne permette pas à une mise à pied ou bien à une interruption plutôt. Alors faites la valeur jusqu'à ce que cela parle de la continuation. Est-ce que vous interrompez votre service? Je suis fatigué aujourd'hui. Tu n'es pas fatigué, c'est toi qui penses comme ça. Je suis totalement épuisé. Tu n'es pas épuisé, c'est ta pensée. Je suis très 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 faible. Tu n'es pas faible. Alors que le faible dise, je suis fort. Alors faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne. Alors faites les valoirs. Préoccupez-vous jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pas jusqu'à ce que la tentation vienne, jusqu'à ce que les épreuves viennent. Pas jusqu'à ce que le malentendu soit là, jusqu'à à cause de ceci, à cause de ce malentendu-là. Regardez ce qu'on dit de moi, regardez ce qu'ils m'ont fait, regardez la façon dont ils m'attachent à cela, regardez ce qui est arrivé. Donc je ne peux plus maintenant me préoccuper. Alors il y a un point là-bas que vous avez raté, pas de vous préoccuper jusqu'à ce que ce problème-là soit là, mais jusqu'à ce que je vienne, il viendra à vous. Il viendra quand votre temps, lorsque vous aurez fini, lorsque vous aurez travaillé et vous avez œuvré jusqu'au dernier point et vous dites le dernier mot, il viendra pour vous. Il pourra venir pour vous au niveau individuel pour vous amener au ciel. Il pourra venir pour vous lorsqu'il viendra à l'enlèvement pour tout le monde. Mais jusqu'à ce qu'il soit là, continuez et puis dit, faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. Et c'est dit, voici je viens, ce ne sera pas long, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas jusqu'à ce temps-là, frères et sœurs, jusqu'à ce temps-là, sœurs, continuez de faire l'œuvre de Dieu et grande sera votre récompense au nom de Jésus-Christ, celui qui viendra. Et qui gardera mon œuvre jusqu'à la fin, alors il n'aura pas à souffrir la seconde mort. La vie en abondance, la vie éternelle, la vie infinie, la vie de Christ sera envoyée, sera pour vous et pour toute l'éternité. Le Seigneur nous a parlé, il nous a enseigné beaucoup de choses aujourd'hui. Alors c'est le moment d'amener cela au Seigneur en prière. Pourquoi ne pas vous lever, frère, pourquoi ne pas vous lever, sœur, je sais que vous écrivez certaines choses, mais vous, on peut se lever maintenant et on amène tout ce qu'on a appris au Seigneur en prière. Appris, frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment prier et nous devons maintenant, après que nous aurons tout conclu, vous pouvez encore amener ceci au Seigneur en prière disant, Seigneur, merci pour la révélation de ce jour. Seigneur, merci
de m'avoir enseigné aujourd'hui et vous ramenez cela au Seigneur en prière. Et le Seigneur lui-même nous rappelle ceci. Alors parlez au Seigneur que votre service doit être d'objectif, mon service doit être imprégné de prière, mon service doit être pur, mon service doit être un service de prière, mon service doit être un service de paix, mon service doit être un service productif et je dois être persévérant dans les choses du Seigneur. Quelle que soit la persécution, rappelez-vous, le Seigneur va tout modérer. Alors, faut pas vous concentrer sur la persécution. Concentrez-vous sur l'objectif de votre appel. Concentrez-vous sur la puissance que vous avez, le privilège que vous avez dans la prière. Concentrez-vous sur la paix que vous devez avoir. Et vous devez être un pacificateur entre mari et femme. Soyez pacificateur entre parents et enfants. Soyez pacificateur dans votre communauté. Soyez pacificateur. Et en tant que pacificateur entre le Saint Dieu et l'homme pécheur, tu réconcilies les hommes avec Dieu. Concentrez-vous sur cela et concentrez-vous sur la puissance du Saint-Esprit dans votre vie et le Seigneur fera de vous ce vainqueur qui fait l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Et voyez votre, demeurez votre fondement, votre, rappelez-vous votre fondement, c'est le fondement et la forteresse des serviteurs commissionnés. C'est le fondement, il est le premier et le dernier, qu'il soit le premier et le dernier dans votre vie. Lorsque vous êtes malade, le premier à contacter, la première, le dernier à prendre contact, avec qui il faut prendre contact, lorsque vous avez le problème, et il y a l'Éternel, il faut bâtir sur le fondement là. Seigneur, aide-moi à demeurer sur le fondement. Et il est la forteresse, il est votre libérateur, il est sans égal. Et vous comprenez qu'il veut que vous soyez intrépide, non dans votre force. Mais vous dites que je suis une personne timide, je suis naturellement une personne peureuse. Mais maintenant, il faut changer et de levier de vitesse pour devenir une personne surnaturelle. Que la force surnaturelle demeure en vous, que par la grâce de Dieu, que vous ne craigniez aucune de ces choses. Il vous supportera, il sera à vos côtés et rien du passé que vous craignez ne vous triomphera. Alors il vous rendra fidèle en toutes choses, il vous donnera la grâce d'être fidèle et puis vous serez vainqueur. Frère, je suis vainqueur, sœur, il faut dire cela, je suis vainqueur. Et puis, j'ai des oreilles pour entendre et tout ce que le Seigneur m'a donné, qu'il m'a enseigné, je vais y obéir un jour à la fois. Mon frère, un jour à la fois et vous serez victorieux au nom de Jésus-Christ. La sainteté sera le centre de ta vie et le centre de ton ministère. Et tu vas continuer dans l'œuvre du Seigneur et tu fais valoir jusqu'à ce qu'il soit là. Amen. Père, nous te remercions ce jour pour ta parole. Nous bénissons ton nom pour l'enseignement que nous avons reçu. Nous prions que tu transfères la parole à nos cœurs, à notre vie, à notre ministère et à nos activités et que nous devenions un modèle de bon service sacrificiel et que nous travaillions à ta satisfaction au nom de Jésus-Christ. Fortifie chaque frère. Fortifie chaque sœur et fais de chacun de nos frères et sœurs, jeunes, personnes âgées, des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit que nous n'allons pas souffrir la seconde mort. Je prie que cette séparation éternelle avec Dieu ne soit pas notre portion d'aucune manière au nom de Jésus-Christ. Et la mort prématurée ne sera pas notre portion. Et la mort qui n'est pas à nous ne sera pas pour nous. La mort éternelle n'est pas pour nous. La seconde mort n'est pas pour nous. Préserve, protège tout ton peuple. Alors, tu es toujours le Dieu de miracles. Fais des miracles dans chaque vie. Que ceux qui sont peureux deviennent intrépides. Que ceux qui sont peureux en moindre chose deviennent. Ceux qui sont infidèles dans moindre chose soient fidèles maintenant. Ceux qui sont rejetés, abandonnés, se lèvent. Et c'est pour cette. Pour être fort dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que la puissance, que la force, que la grâce et l'Esprit de Dieu pour demeurer, continuer fidèlement à l'œuvre du Seigneur soit accordé à tous. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Frères et sœurs, nous disons Amen.
Amen. Que ça vous bénisse.